Ma chérie, je t'écris pour te dire que je ne reviendrai pas de la guerre. S'il te plaît, ne pleure pas, sois forte. Le dernier assaut m'a coûté mon pied gauche et ma blessure s'est infectée. Au début, nous étions 20 000. Après avoir passé les barbelés, nous n'étions plus que 15 000 environ. C'est à ce moment-là que je fus touché. Quand notre enfant naîtra, tu lui diras que son père est mort en héros pour la France. Je te remercie pour tous les merveilleux moments que tu m'as fait passer. Je t'aimerai toujours. Adieu. Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je m'accompagne de mon papa, un féru d'histoire, pour vous présenter une période historique qui nous passionne lui et moi, à savoir la Première Guerre et la Bataille de l'Argonne. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer aujourd'hui ce qu'on peut trouver dans la forêt d'Argonne en termes de vestiges historiques. Il s'est déroulé ici un des épisodes les plus dramatiques et lourds de l'histoire de la Première Guerre mondiale en France, à savoir une bataille de près de 4 ans qui a fait rage dans les bois de l'Argonne ici même. Ici on se trouve dans une tranchée d'ailleurs dans laquelle les soldats transitaient pendant cette période. C'est une période assez lourde en histoire mais super intéressante et je voulais vous y emmener parce qu'on retrouve encore des vestiges nombreux, notamment des armements, du verre, plein de choses et notamment des abris de soldats, la chose la plus impressionnante que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Alors petite parenthèse, si vous voulez aller dans ce genre de lieu, n'y allez pas seul pour des raisons évidentes de sécurité par rapport à ce que vous allez pouvoir voir dans cette vidéo. Et respecter les lieux, c'est très important. Faut pas oublier qu'ici c'était des lieux avant tout de guerre. Des batailles ont fait rage ici pendant plusieurs années, des milliers de morts sont tombés au combat là où je me trouve actuellement. Respecter les lieux, c'est avant tout un site de mémoire et il faut respecter ça, c'est important. Donc on va aller explorer un petit peu les lieux, les alentours, on va essayer de trouver des vestiges intérieurs et extérieurs. Et vous allez le voir, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Allez, c'est parti. Difficile à croire, mais cette forêt luxuriante fut l'un des plus grands théâtres macabres de la Première Guerre. C'est pourtant ici même que des centaines de milliers de soldats périrent en défendant leur pays, tentant de conquérir, mètre par mètre, un morceau de territoire sous une pluie d'obus, de mortiers et de gaz mortels. Tentant de survivre aux cadavres et rats jonchant le sol, aux maladies en tout genre, au froid. Tentant d'échapper à la mort, faucheuse infatigable. Dans la forêt d'Argonne, la ligne de front s'étend sur 30 km à peine, mais les combats s'enlisent. Une longue guerre de position débute. Ce que nous allons découvrir dans cette vidéo sont les vestiges de cette époque où les soldats s'enterrent pour survivre, attendant la peur au ventre, de lancer l'assaut sur le camp adverse. Mais c'est assez impressionnant de se trouver sur ces lieux où la forêt a été complètement métamorphosée. De toute façon, je vais vous montrer des extraits photos. Vous allez vous rendre compte que la forêt ici, c'était pas du tout la même en 14-18, elle a été complètement ravagée. Regardez, une belle tête d'obus en direct avec encore le détonateur à l'extrémité. Donc ça c'est un obus qui n'a pas explosé par exemple. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais là on a vraiment des tranchées assez profondes, c'est impressionnant. Il faut se dire un truc, c'est que ces tranchées à l'époque, elles devaient faire bien un mètre de profondeur en plus. Elles ont été recouvertes par le temps, par les feuillages, par les éboulements de terrain. Donc c'est beaucoup moins impressionnant, sachant que maintenant elles sont toutes arrondies, vraiment moins bien dessinées qu'à l'époque. Et à l'époque, elles étaient aussi parfois renforcées par du bois sur les abords, sur les côtés, pour éviter les effondrements, parce qu'ici la terre est assez argileuse et
et avait du mal à subir les effets de la météo, notamment les inondations, tout ça, tout ça. Voilà ce qu'on peut retrouver également aux abords des tranchées, donc de la grosse tôle qui servait à renforcer les abris. Ouais, complètement mangé par la rouille, mais ça a un siècle, il faut dire. Voilà, pas mal de bouteilles d'époque qu'on retrouve à même le sol un peu partout. Ça, c'est des gens qui les ont rassemblées sûrement. Il y en a un peu partout. Et ça, tout autour d'ici. Voilà, ça, c'est des obus d'époque qui ont été rassemblés ici. Évidemment, vide et rouillé avec une carcasse métallique. Voilà ce genre de choses qu'on peut trouver dans la forêt. Bon, voilà, on trouve quand même pas mal de trucs, c'est assez sympa. Allez, regardez. Ici, on a ce qu'on appelle des queues de cochon. Donc, ça, les queues de cochon, c'est des piquets en ferraille qui servaient. Donc, la partie entortillée était plantée dans le sol pour être solidement ancrée dans le sol. Et ici, dans les deux petits anneaux qu'on voit ici, là, on passait des fils de barbelés pour faire des réseaux autour des tranchées pour éviter que l'ennemi puisse passer trop facilement à pied. Donc voilà, donc ça c'est deux queues de cochon qui ont été ramassées par des randonneurs sûrement et déposées là. Il y a des tranchées partout, on est vraiment sur les premières lignes de front. Regardez ce que je viens de trouver. Une magnifique sape. C'est de la vraie spéléo les amis. Là on est des vrais poilus là. Oui voilà, on peut trouver ce genre de choses. Des têtes de grenades à manche. Il n'y a plus le manche parce que bon, le bois s'est détérioré, normal. Et là on vient de descendre tout ça. Et voici ce qu'on peut trouver. Et voilà. Ouais, pas mal de vestiges encore. Pas mal de verre, pas mal de ferraille. Tout le bois, ça c'est... Ah mais c'était de la tôle. Ouais, c'était de la tôle qui... Tout ça c'est de la tôle rouillée qui devait supporter tout ce qui est plafond. Et il devait sûrement y avoir des poutres en bois à l'époque qui sont mortes et pourries depuis le temps. Ouais, encore une tête de grenade ici. Des cartouches. Une cartouche entière. Cartouche de fusil. Voilà, c'est déjà pas mal grand. Il faut s'imaginer que tout ça a été taillé à la main pour venir s'abriter. C'est dans le dur, dans la roche directement. Là, on est vraiment dans la roche. C'est assez incroyable. Ça ressemble un petit peu à une carrière, mais sauf que l'objectif de ce trou, c'était vraiment de se protéger. Les pics, là, ouais. Ils sont vraiment présents là. Et là, on voit bien les coups de pioche un petit peu partout. Et là, il y a une pioche. Là, ah ouais? Ah ouais. Encore la pioche, là, une demi-pioche. Ouais, une demi-pioche encore là, en effet. Une demi-pioche de pionnier allemand là. Donc là on est sûrement dans une sape allemande vu de la munition et de la pioche. Donc voilà, c'était quand même des sacrés trous puisqu'ils ont quand même survécu et ils sont pas écroulés après les centaines et milliers de bombardements qui sont tombés dans le coin. Et ça a 100 ans. Hein. Et ça a un siècle, ouais. Ça, c'est assez dingue. Là, on voit qu'ils ne se sont pas pris la tête. Ils ont fait un petit couloir pour gagner du temps un maximum, pour accéder à la pièce suivante. Et ils se sont concentrés vraiment sur la taille des pièces dans lesquelles ils vivaient, dans lesquelles ils stockaient certainement pas mal de munitions, des choses comme ça. Ouais, donc là, c'est le fin. On voit bien les coups de traces de pioche au plafond, là, bien rectiligne. Les sapeurs. Ouais, c'est les sapeurs, hein, c'est ça. C'est pour ça qu'on les appelle les soldats du génie, ça s'appelle les sapeurs. Hein, c'est pour ça qu'on appelle ça une sape. Hein. Voilà. Ouais, c'est chouette. Les pionniers allemands. C'est chouette. Alors là, celle-là, elle était quand même assez imposante. Je pense qu'elle devait contenir pas mal de soldats. Et il faut savoir aussi, c'est que pendant les périodes de bombardement, ils s'entassaient là-dedans. Donc en période normale, ils étaient... de soldats et en période de bombardement, ils étaient le double et tout entassé là-dedans pour survivre quoi. Voilà, il y a pas mal de tôles encore là, en assez bon état par rapport à tuyau de poêle, par rapport à l'âge. Ouais, un tuyau de poêle ici, du barbelé, de la ferraille, des pierres.
Ça c'est... Ah ouais, là c'est vraiment les derniers coups de pierre qu'on fait tomber, toutes ces pierres qu'on voit au sol. Dernier coup de pioche. Les poutres en chêne, là, des taillages. Les poutres qui permettaient de soutenir la structure. En fait, ils renforçaient, donc ils mettaient de la tôle sur le plafond pour éviter les éboulis. Ils renforçaient les murs avec de la tôle et puis des poutres. Et puis des sections de chêne, oui. Et puis des sections de chêne, ouais. Les sections de chêne qui ont été les premières à disparaître, puisque bah, c'est du bois. Voilà. Il y a un ébus ou... Ah ouais. A été rompu, on ne sait pas par quoi, en fait. Ouais, là, en effet, là c'est la fin. Il y a quand même deux grosses belles pièces, et puis on voit deux départs sur les côtés, là, qui n'ont pas été finis. Après, je sais pas combien de temps ils ont mis déjà pour faire tout ça, mais ça devait être un taf de dingue. Tiens, le bouchon de manche de grenade. Ah ouais. Ce qui est au bout de la grenade, la manche, en fait, ça. Ah ouais, le bouchon qui dévisse pour... C'est de l'alu, donc tu vois, c'est resté intact, ça. Hein. Pour atteindre la petite goupille et... Voilà. Dégoupiller la grenade. Ouais. De mise à feu. De toute façon, là, il y a tous les signes pour dire que c'est une sape allemande. Hein. Il y a des grenades à manche, les Français n'en avaient pas, il me semble. C'était vraiment la signature allemande. Donc voilà, imaginez-vous un petit peu ici, dans le noir. Avec les bombardements. Avec les bombardements incessants au-dessus qui finissent par devenir le quotidien et en même temps les rendre complètement dingues. C'est toujours quelque chose de se retrouver ici quand on imagine un petit peu que c'était des soldats par dizaines entassés qui n'avaient pas plus de 25 ans, 20 ans. C'est dur de se dire qu'ils ont vécu là-dedans, enterrés comme des rats. Alors pas dans des conditions optimales, mais s'il faisait froid, c'était souvent inondé. C'est quelque chose hein, quand même. La butte de Vaucois est le théâtre macabre de la région. Petit village occupé par les Allemands dès septembre 1914 pour sa position stratégique évidente, il est pris d'assaut en mars 1915 par le camp français après une année de tentatives infructueuses et de nombreuses pertes. Dès lors, le quotidien des soldats sera rythmé par les incessants bombardements et explosions de mines souterraines chargées de TNT. La lutte des mines ne prendra fin qu'en septembre 1918 lors de la libération franco-américaine. Aujourd'hui, aucun signe du village, ni même l'once d'une ruine. Les entonnoirs de plusieurs dizaines de mètres de diamètre et de profondeur sont les témoins éternels de l'effrayante ingéniosité de l'homme face à sa soif de conquête.